Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux décider. On ne peut le faire à ta place, même pas moi. Si tu crois que c'est impossible, alors ça l'est. Tous les deux, on va croiser les bras et attendre. Au contraire, si tu crois que c'est possible, alors ça l'est. Tous les deux, nous allons retrousser nos manches et allons poser les gestes pour que tes rêves se réalisent. As-tu remarqué que dans le mot « impossible », il y a aussi le mot « possible » Donc, cela peut être possible, n'est-ce pas? Commence toujours par ce mot avant de dire « l'autre ». Il existe toujours une solution, toujours. Je peux t'aider à la trouver. Je peux te souffler quelques réponses. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux et les oreilles pour recevoir ces réponses. Lève la tête et regarde autour de toi. Que peux-tu observer qui te donnerait une piste à suivre? Regarde comme il faut. Il y a même plusieurs façons de voir ce que je te propose. Si tu vois en premier un téléphone, peut-être y a-t-il un appel que tu pourrais faire. Si tu vois une télé, peut-être qu'une annonce ou une émission pourrait apporter la solution. Si tu as une radio près de toi, va vers elle et allume-la. Écoute la chanson qui joue ou l'annonce. Il se peut que la réponse y trouve. Si maintenant il y a des gens qui t'entourent, écoute discrètement leur conversation. Tu recevras peut-être le message que tu attends. Tu sais, ce qui rend les choses possibles, eh bien c'est toi. Ce qui les rend impossibles aussi. Alors, à toi de choisir. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douce pensée, Angélique.